Je vous explique ce qui se passe parce que vous allez voir après l'image, mais au moment où il se met sur moi et qu'il commence à envoyer, juste avant, il m'a mis deux doigts dans l'œil. Nous on a fait les règles avec l'arbitre juste avant et doigts dans l'œil c'est pénalité, donc normalement soit ils nous séparent et ils nous remettent comme la première pénalité. Vous savez, quand tu as trois appuis au sol, quand il te met un coup de pied, c'est interdit. C'est pour ça qu'ils nous ont séparé la première fois et que voilà. Donc là on va faire réclamation et voir comment ça se passe parce que c'est interdit, il y avait pénalité. Et comme c'est la deuxième pénalité qu'il avait sur le deuxième round, que le premier je l'avais le premier round, et la deuxième pénalité, bah normalement vu que c'était un peu 50-50 sur round, soit ils nous séparaient soit c'était terminé. Je vois que tu m'enfonces bien le doigt dans l'œil, et moi c'est pour ça que je me suis dit, bah je pensais que l'arbitre, je lui ai dit tu peux remporter l'acclamation et voilà. Mais tu comprends ce que je veux dire? En tout cas moi je trouve que quoi qu'on dise, parce que lui ou moi on l'a porté le côté dans la cage, et il y a des gens qui ont dit qu'on a fait des c'était un très beau combat. Et ils m'ont qu'on dit a fait des plus beaux combats que certains. Oui, plus beaux combats que certains. C'est ça le plus important. T'es prêt, Julien? Fais voir, vas-y, vas-y. Oh putain! Ah mais il le dément, toi! Oh, fin de carrière! C'était une tarleuse. Je vous le dis, quand tu le gueules dessus en tournage, il appelle le producteur, il a peur. C'est pas son domaine, c'est pas son sport. Il est peut-être meilleur, voilà, en match TikTok, mais pas en match de boxe, les gars. Frérot, c'est très clair. Regarde ici. Tu vois, ça, c'est chez moi. C'est ma salle de MMA. Ici, tu peux voir, c'est mon setup. Moi, je vais streamer du contenu d'MMA. Je te propose un 3x3 ici. Je t'envoie l'adresse. T'as pas d'argent. Donc, si tu veux, je te paye le trajet. Il n'y a pas de problème. Je te donne 50 balles en plus. Si... T'as aucun échappatoire. Maintenant, c'est clair et net. Tu vois, ici, j'ai les gants. J'ai tout ce qu'il faut. Même protection, si tu veux, on met des protections. Si tu veux pas les mettre, on les met pas. Je m'en fous. Tu viens ici, on se la donne. C'est quoi ça? Faire quoi, 2-3 heures de route, on le fait ça en streaming, comme ça il n'y a pas de triche, on peut pas dire voilà. Si tu n'acceptes pas, tais-toi à jamais sur mon sujet. Ilan, c'est un cadeau tombé du ciel que tu me fais. Moi, tu me proposes un octogone. Alors, je ne suis pas un combattant de MMA, ça c'est vrai. Et il va falloir l'apprendre, cette discipline, un minimum. On s'est foutu de ta gueule après ton combat, mais frérot, tu es la risée du net depuis 3 jours. Et ça tourne en boucle. Et ça tourne. Avec tes patates moulées avant. Avec ce que tu as fait comme prestation, je te promets que la France entière a envie de te défier. La France entière a envie de rentrer dans le ring avec toi. Mais vraiment, hein, c'est comme si j'allais refuser ça. Mais c'est avec un grand plaisir. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilan, il se pique. Les gars, depuis tout le temps, c'est un mec qui triche. Dans tout ce qu'il fait, il triche. « 48 heures avant notre combat, on va dans un laboratoire.
et on va te piquer tes petites veines de droguer de la testostérone parce que tu t'envoies que de la testostérone. Bref, j'accepte avec un grand oui, mais je veux du public. Je veux donner la chance aux gens de venir nous voir et te voir au sol. Et la troisième condition que j'aimerais, c'est si t'es si sur toi. Parce que moi, je le suis, d'accord ? Mais il va quand même falloir que j'apprenne ce sport un minimum. On va dire, laisse-moi un mois et demi, deux mois. Même si en un mois et demi, deux mois, tu n'es pas un combattant de MMA. Mais je peux avoir des bases.